just really quickly, because I saw you have a list of all the names of the cows. So for you, are they more individuals than just animals for your livelihood? Alors je les considère, je sais pas, et ils sont ce qu'ils sont, et voilà, et je les prends comme ils sont. Ils ont chacun leur personnalité, ils ont chacune leur façon de s'occuper de leur veau, leur... voilà. Donc. Linda, Marie-Léna, Rita, je l'ai vue. C'est la grosse qui est très calme là-haut. Je ne compte jamais les bêtes, parce que je vais les voir une par une. Voilà, c'est-à-dire j'ai une liste, et le soir, le matin, il faut que j'ai vu tout le monde précisément. Voilà. Il y en a même... Je les reconnais à comment elles me regardent, ou de très loin, des fois, à 100 mètres, la façon de mettre les oreilles, tout ça, je sais quelle vache c'est. So, since you have a special relationship with the cows, how do you feel when they're sent to the slaughterhouse for people to eat? Bon, je le vis mal, voilà, résumé. Bon, il y a plusieurs aspects. C'est d'une part, déjà, je ne suis pas, entre guillemets, un viandard, donc c'est très paradoxal le boulot que je fais, évidemment. Ça me plaît beaucoup, ça m'intéresse. Mais bon, voilà, c'est pour envoyer des bêtes à l'abattoir. Bon, ce qui est un peu... Voilà, il faut que j'assume ce paradoxe. Voilà.